Peuple de Dieu, bonjour. Mon premier contact avec maman Yvette, dès qu'elle m'a vu, elle m'a dit, je vois que tes finances sont asséchées. Elle m'a demandé, tu fais quoi dans la vie? Puis je lui ai dit ce que je fais dans la vie. Elle dit, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Elle m'a regardé, elle a commencé à sourire. Elle dit, tu veux que Dieu te surprenne? J'ai dit oui. Elle dit, va, Dieu va te surprendre. Amen. Et donc, moi, je suis resté interloqué. Puis elle m'a dit, ce que j'ai dit là, tu veux que je fasse? Va! Je suis resté un moment et puis après je suis parti. Donc je viens dire merci à Dieu parce que ça faisait un an, jour pour jour, que je ne travaillais plus. Depuis que maman a parlé, tout est rentré dans l'ordre. Donc je viens dire merci à Dieu. Amen. Quand maman a parlé, c'est combien de temps après? D'abord, ça a commencé par des petites choses. Ça fait un an, je ne peux jamais toucher d'argent. Un an? Un an. Depuis janvier, j'ai terminé ma dernière mission chez TF1 fin décembre jusqu'à toute l'année. Ma société, zéro. Même pas un contrat. Rien. Pas d'argent, rien. Et donc, depuis que maman a parlé, même ma mère m'a envoyé de l'argent. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Hosanna, allez. 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 Quand on célèbre le témoignage de quelqu'un, et si tu es sage, célèbre plus que la personne. Amen. Moi aussi, j'ai ma part de témoignage. Hey. Et quand je danse comme ça, Dieu ajoute mes témoignages. Amen. T'as vu ça, non? Yes. Parce que Dieu aime ceux qui le célèbrent. C'est vrai. Alléluia. Amen. Et quand je viens célébrer ton témoignage, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont Amen. Se passer dans ta vie. Quand je me lève, je viens célébrer. Il n'y a rien que je fais au hasard. Alléluia. Amen. Continue dans tes moyens, mon frère. Après, quand elle m'a reçu en réception, elle m'a confirmé que ne t'inquiète pas, tout est retourné. Le jour où elle m'a dit, tu veux que Dieu te surprenne, je dis oui. Elle dit quoi? Et ce jour-là, je suis resté comme ça. Mais bon, peut-être, je ne sais pas s'il faut le dire. La prophétesse m'a donné un contrat. Amen. Comme je suis informaticien, elle voulait une application mobile et un site. Ça commençait par là d'abord. Ouais. Et après, tout s'est débloqué. Je veux bénir Dieu. Amen, amen. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. 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 C'est ma femme qui regardait tous les. Elle regardait pratiquement maman. Et moi, je lui disais tout le temps, mais. Un prophète ici, c'est qui celle-là encore? J'aime le mot-ci. Tous les jours, c'est qui celle-là encore? Elle me dit, bon, de toute façon, l'église où j'allais, elle dit, moi, l'église où on va là, moi, je ne vais plus là-bas. Donc, elle est restée pendant 2-3 semaines, même un mois, elle n'allait plus à l'église. Un dimanche, ça me dérangeait un peu. Je lui dis, bon, l'église où tu vas aller, faut dire, on va aller là-bas. Et puis, on est allé le dimanche dans l'église où on va aller. Amen. Et puis à la veillée qui a suivi, c'est cette veillée-là que j'ai eu contact avec mon mari. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je te voyais pas avec une société, mais avec plusieurs. Amen. Et ça s'alignait devant moi comme ça. Je te voyais gérer et j'étais sur ton ordinateur en train de gérer. Et le Seigneur me dit, ça c'est pour mon fils, toi Amen. Béni. Amen.